Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un nouveau rituel, le rituel d'amour rapide en 24 heures qui est très, 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 très facile. Donc on va démarrer. N'oubliez pas que vous avez droit à votre masterclass gratuite. Vous verrez au-dessus à droite ou à gauche, le petit i. Cliquez dessus et vous aurez accès donc à votre masterclass gratuite. Ça va vraiment vous aider pour les rituels et dans votre vie. Et si vous êtes intéressé par les formations ou par des rituels personnalisés que je ferai pour vous, vous pouvez me contacter sur cet email ou ce numéro WhatsApp. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai dès que j'aurai de la disponibilité. Et donc voilà. Alors, nous aurons besoin d'un bic pour ce rituel. On aura besoin d'une bougie blanche. On aura besoin de cannelle, de parfum. Si vous n'avez pas de parfum, ben prenez un déo. Et on aura besoin d'un grand papier. Voilà, un déo en spray ou en roll-on, on dit oui. Et donc, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous procurer des livres de coaching. Oups. Comment sortir une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. Donc, vous tapez Faraquet sur Amazon et vous trouverez tous les livres en fait. On a aussi comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. Nous avons aussi la formation coaching de loi d'attraction, la loi de l'attraction. Voilà. Et puis les trois petit tome de rituels à faire à la maison, rituel d'amour. Et vous verrez, voilà, il y a des images. Et ça, ce sont des rituels exclusifs qu'il n'y a pas sur YouTube. Allez, on va démarrer. Donc, on va démarrer le. Je fais ça parce que comme on vole mes vidéos, comme ça, on voit qu'il faut me contacter moi et pas quelqu'un d'autre. Alors, en premier lieu, nous allons allumer la bougie. Le briquet. Voilà, on allume la bougie. Voilà. Ensuite, on va prendre le grand papier et on va le déchirer. Voilà. Donc, quand je ne dis pas qu'il faut le déchirer, ben, il ne faut pas le déchirer le papier. Ça veut dire qu'il ne faut pas le déchirer. Il y a des rituels où il faut. N'oubliez pas de regarder deux, trois fois la vidéo pour vous mettre dans un état. C'est l'état bêta en fait. Comme ça, vous aurez plus de chances de réussir vos rituels grâce à l'énergie que je vous envoie dans les vidéos. Donc, on a ce papier qui est déchiré. Vous prenez un assez grand. Et vous allez mettre la cannelle. Voilà, sur le papier. Et vous allez commencer à frotter, si, frotter avec vos mains la cannelle sur tout le papier. Donc sur tout le papier, vous frottez. Ça, c'est vraiment pour qu'il soit plus doux ou qu'elle soit plus doux. Voilà. Et ensuite, vous allez ramener la cannelle ici. Alors, je vous montre en bas du papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, voilà. Alors, je vais vous montrer un peu sans que ça tombe. Voilà. Vous voyez, vous avez ramené. Voilà, là on le voit. Donc, vous avez la cannelle ici, vous avez frotté. Et vous ramenez en bas la cannelle. OK? Ensuite, vous allez écrire le nom et le prénom de la personne 10 fois sur le papier, comme ceci. Je vous le montre. Je ne vais pas écrire les 10 fois. Ça, vous l'écrivez l'un sous l'autre, comme ceci. Voilà, je pense que on va faire ça. Voilà, pour pas que la cannelle. Voilà, et vous l'écrivez 10 fois. Ensuite, vous allez mettre de la cannelle, donc là,
la cannelle que vous aviez ici en bas, vous allez la remettre sur tous les noms et prénoms. Vous avez indiqué le nom et le prénom. Voilà. Et vous allez frotter la cannelle à nouveau sur le nom, prénom. Voilà. Sur tous les 10 fois que vous l'avez écrit. Hein. Refrotter en visualisant et en pensant évidemment à la personne. C'est hyper important de penser cette personne visualisée. Dans des lives que je fais, je vous explique pourquoi. Vous pouvez peut-être aller regarder les lives que j'ai fait dernièrement. Ensuite, on va prendre du parfum et on va le mettre sur le nom et prénom, sur les 10, et on va les frotter à nouveau le parfum sur le nom et le prénom. Vous voyez ? Vous refrottez. Voilà. Ensuite, avant donc de vous dire ce que vous devez réciter, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre seulement ces deux. N'allez pas sur Instagram, sur Facebook, parce qu'il y a des gens qui se font passer pour moi. Et n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui sont nouveaux. Donc, ensuite, vous allez mettre votre main droite sur la cannelle, sur le papier où il y a les prénoms. Et vous allez réciter. Donc, vous allez réciter « Glorieuse Vierge et Martyre Sainte Barbara ». Vous répétez encore une fois « Glorieuse Vierge et Martyre Sainte Barbara ». On répète encore une fois « Glorieuse Vierge et Martyre Sainte Barbara ». Et donc ensuite, vous dites ce que vous voulez de cette personne. Et vous dites son nom et son prénom, revienne à moi. Ou que tatatan soit amoureux. Ou que tatatan revive avec moi. Ou que tatatan qu'elle veuille ou qu'il veuille un enfant. Enfin, toutes ces choses-là, vous voyez, ok. Ensuite, vous allez, comme votre main aura de la cannelle, vous allez remettre la cannelle dans le papier. Et ensuite, vous allez mettre le papier tel qu'il est, sans le plier, d'accord? Vous voyez à peu près, sans le plier, sous votre lit pendant cette nuit. Il faut que personne ne le voit, personne n'y touche. Pas un chat, pas un enfant, pas rien du tout. Que personne n'y touche. Vous le mettez sous votre lit. Et ensuite, après les 7 nuits, vous allez jeter le papier dans un sac poubelle et puis le mettre en dehors de chez vous. Donc, il faut vraiment que vous sortez ce papier en dehors de chez vous. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des rituels personnalisés. On se retrouve à un prochain rituel.